Les Grecs célébraient ce jeudi le bicentenaire de leur indépendance. Le 25 mars 1821, il y a 200 ans, débutait une insurrection qui allait conduire à l'indépendance du pays vis-à-vis de l'Empire ottoman. À l'époque, trois puissances avaient apporté leur soutien aux combattants grecs, le Royaume-Uni, la Russie et la France. Raison pour laquelle des représentants de ces trois pays participaient aux festivités organisées ce jeudi à Athènes. Marche militaire et défilé en costume d'époque sur la place de la Constitution face au Parlement. Nous sommes fiers de tout ce que nous avons accompli. Notre patrie est un État démocratique moderne, au cœur de l'Union européenne. La Grèce est également une source de stabilité dans toute la région. Les dignitaires grecs et étrangers ont ensuite déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Toute la cérémonie officielle s'est déroulée sans public pour cause de pandémie. La population est confinée depuis près de 5 mois. Του σπαθιού την τρομερή και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ο χαίρε ελευθεριά. Μετά από μια πολυετή οικονομική κρίση και εν μέσω πανδημίας... Après une longue crise économique et malgré la pandémie, la Grèce célèbre le bicentenaire de son indépendance. Au-delà des festivités, cette journée est l'occasion pour la population de relire son histoire et de regarder vers l'avenir. Από την Αθήνα για το Euronews, Απόστολος Στάικος.